Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vous retrouve pour une vidéo unboxing AliExpress. Et il y a pas mal de boulot, donc j'enlève tous les sacs et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses. Je vais vous les montrer une par une. Et on se retrouve tout de suite, je débarrasse un peu le plan de travail. Voilà, donc je commence par ce qui n'est pas du scrap. Je me suis acheté des petits charms comme ça pour mettre sur les. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Pour mettre sur mon bracelet Pandora. Donc. Je sais, ce n'est pas de la marque Pandora. Mais. Je les trouvais trop mignons. Donc on a celui-ci qui est trop chou. J'ai celui-là. Le mini, là, il est trop joli. Avec une petite mini en dessous, là. Et je me suis pris aussi. Attends, j'en ai trouvé encore un. j'ai pris celui-là qui est... Je vais réussir à le mettre à l'endroit. Voilà, qui est une petite réponse. Ils ne sont pas en plastique, hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Je vous laisse entendre le bruit. Et alors, par contre, j'essaye de faire zoomer parce que celui-ci, il est vraiment bien emballé dans une petite boîte. Heureusement, parce que il est en verre. Enfin, normalement. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Oui. Oh, il est vraiment beau. Hein. Il est très très joli. Alors, moi je vais tous les mettre là-dedans. C'est pas plus mal. J'aime bien cette petite boîte. Ensuite, ce sont des produits pour les ongles. Alors là, on a une poudre. Pour les ongles, tout simplement. Avec son petit pinceau. C'est une poudre normalement qui change de couleur un peu en bougeant. Voilà, comme ça. Là, ça se voit pas trop. Mais bon. Je verrai bien l'application. Et ça, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ce sont deux articles pour les vernis Cat Eyes. Donc ce sont des aimants. Alors là on a un aimant comme ça avec trois petits points l'un à côté de l'autre. Là on va avoir des petits aimants en forme de petites fleurs. Et là on a des aimants comme ça pour avoir ce mouvement là au niveau du vernis. Des petits traits. Donc il faut que je fasse un tuto avec ce vernis là. Je vous avoue, je n'ai encore pas testé ce vernis. J'attendais ces petits instruments. Je vais faire ça très bientôt. Donc maintenant que je vous ai montré ces petites choses, on va partir dans ce qui vous intéressera le plus. C'est-à-dire toutes ces choses de scrap. Alors là, j'adore cette photo. Attendez. On a de très jolies images. Elles sont vraiment très belles. Et ce sont des autocollants. Donc, elles sont vraiment très très jolies. J'aime beaucoup. Là, on va partir sur du stickers encore. Oh, trop joli. Alors... Ce que je fais, je vous pose tout sur un petit truc plat et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc voilà tout ce que vous allez pouvoir trouver dans ce sachet. Et tout est en double. Hein. J'adore les petites filles, elles sont trop belles. Là, on va partir sur un dies.
Je crois que c'est le seul que j'ai pris. Alors, j'avais déjà un dies avec ce petit visage-là. Mais pas de cette taille-là, je pense. Mais c'est surtout au niveau du cadre que j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai craqué. J'ai craqué pour ces fleurs. Elles sont juste top. Regardez-moi la taille des fleurs. Par rapport à ma main, elles sont grandes, hein. Donc là, on a des bleus et en plus elles ont du foil. Elles sont vraiment très belles. Elles sont belles, ouais. Elles sont vraiment grandes. Donc j'ai pris plein de couleurs. Donc là, je vous montre, j'ai pris des rouges. Bon, je ne vais pas toutes vous les sortir, sinon on en a pour un moment. Mais un peu pareil que les bleus, mais en rouge. Donc il y a deux, trois fleurs différentes. Je vais juste vous montrer les blanches là, parce qu'il y en a une qui me plaît beaucoup en dessous. Voilà. Celle-ci est très belle. Bon, au final, je vais quand même vous les montrer. Je vais juste me dépêcher. Là, on a les violettes. Elles sont vraiment belles, hein. Ensuite, j'ai pris jaune. Là, encore plus grande. Les roses. À chaque fois, on en a deux, hein. Ah, je m'en doutais que j'allais avoir des problèmes avec les plastiques. Voilà, bon, j'en ai craqué un, c'est pas grave. Je le ressoudrai. Ensuite, on a celle-ci. Ah, elle est belle. Voilà. Et celle-ci. Voilà, alors je regarde parce que j'en avais des. Ouais, c'est pas les mêmes. J'en ai deux rouges, mais c'est pas du tout la même fleur. Hop là. Il faut que je range les bleus avant que ça tombe. Allez, je me dépêche. Je passe au suivant. Donc là, on a toutes les fleurs. Je passe les papiers en dernier. Voilà, oui, il y a encore pas mal.
Là, on a des personnages. Ah, il y avait encore des fleurs. Des oranges, cette fois-ci. J'ai des petits stickers demoiselles, là, comme ça. Vraiment beaux. Ah. Ils sont très jolis, ceux-là, parce que, voilà, ils sont un peu en... comme des dessins animés. Comme des dessins animés. Avec un petit peu de couleur, pas tout en couleur. Et je les trouvais trop jolis. Comme d'habitude, hein, je vous mets les liens en barre d'infos de toute façon. Vous connaissez mon mode de fonctionnement maintenant. Voilà. Là, on a des petits cadres. Alors, je vais vous montrer une particularité. Donc, c'est en noir et blanc. Ah. Bien sûr, c'est bien fixé. Je voulais pas le déchirer. Voilà. Voilà, donc ce sont des petits stickers. C'est toujours les mêmes, hein. Sauf que en fait, ils sont tous décrochables un à un. Donc là, on a le cadre de bord. Ensuite, on a celui-ci. Et on a celui du milieu qu'on peut utiliser. Donc on peut séparer les trois. Je trouvais ça vraiment sympa. Là, on a encore des petites demoiselles. Cette fois-ci, je crois que c'est des danseuses, si je me rappelle bien. Elles sont un peu plus petites que les autres. Elles sont très belles. Les robes sont très jolies. Hop, je continue. Là, on a des engrenages en bois. On a plein de tailles différentes, plein de formes différentes. Là, on a des tickets. Que je vais réussir à l'ouvrir rapidement. Non. Donc je fais une pause et je vous retrouve dessus. Voilà. Donc on a des tickets. On peut les séparer, hein. Ce sont des stickers, donc autocollants. Sont très beaux. Voilà. On continue avec cela.
Donc là, on a en même temps un personnage et en même temps du lettrage. Donc on a celui-ci. Si j'enlève ce qu'il y a derrière, ça sera mieux. Voilà. Très beau. On a un piano. Fleurs. Sens c'est mieux, non, c'est ce sens là. C'est joli ça. J'adore quand on retrouve des petits mots français. Ils sont tous très beaux, hein. Alors, j'arrive pas à savoir dans quel sens je dois le mettre. Dans ce sens. Ensuite, on a. Allez, on continue. Donc là, ça va être des sentiments, des petites phrases. Donc on a doré sur noir et doré sur blanc. Et on en a plusieurs pages. 4 pages de noir et 4 pages de blanc. Là, clairement, on va avoir profite de la vie. Apprends et grandis, pas de regrets. Crois en tes idées folles, sois toi-même, sois courageux. Voilà, on a plein de petites phrases comme ça. Vis le moment présent, etc. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, encore des stickers. Et après, on passera au papier. Si je trouve le. Voilà, pour le ranger. Là, oh, très joli. On va avoir tout. Oh, je vais peut-être vous les montrer comme ça. Donc, on va avoir tous ces stickers. Bon, je vais vous les montrer. Après tout, j'ai ouvert. Voilà. On dirait Sicile l'impératrice, celui-ci. Très beau. Les cadres sont beaux, les portraits sont beaux. Et un deux de chaque. Hein. Hop. Ensuite, on a encore des stickers fleurs, mais noir et blanc cette fois-ci. Il y en a pas mal, hein. Bon, il y en a deux de coincés, c'est pas grave. Voilà. Je vous les détaille pas tous, hein, parce que voilà, on a du muguet, on a des fleurs comme ça. Dans ce sens-là, c'est mieux.
Voilà. Voilà, des grandes, des plus petites. Et toutes noires et blanches. Puis toutes sortes de fleurs différentes. On a des pensées, on a. Voilà. Je vais regarder combien il y en a à l'intérieur, si c'est marqué sur le paquet. Soixante. Donc, il y en a quand même pas mal, hein. Allez, on va partir maintenant sur du papier. Alors, j'ai plusieurs tailles de papier. J'ai des grands, enfin des grands, des moyens, on va dire, et des plus petits. On part sur celui-là. Là, normalement, il y a 50 et il y en a 10 différents. Alors, ils ne sont pas attachés. Ils sont très beaux, hein. Oh, il est beau celui-là. Et voilà. Alors, au niveau de la taille, c'est du 8 cm sur 13 cm. On passe au suivant. Oh. Pas le même style, mais tous aussi beaux, hein. Ceux-là sont à la même taille que les autres. On va passer aux trois derniers papiers. Donc on a celui-ci, celui-ci et celui-ci. On commence par celui-là, le Flora Collect et Rétro. Oh, c'est très joli, sous forme de cahier. Ah, Recto Verso, ok. Il y en a deux ou trois de chaque. Deux, je crois. Sont très beaux, je vous donnerai la taille dans quelques instants. Pâtisserie confiserie.
Ces papiers sont très très beaux. Oh, c'est joli ça. Ah tiens, on a une recette. Très beau, j'aime beaucoup. Alors au niveau de la taille, que je vous dise pas de bêtises. Alors c'est écrit trop petit, je le vois pas. Où est ma règle? Là. C'est du papier un peu plus de 12,5 sur 17,5. Ensuite, on a celui-ci avec les fleurs. Toujours très joli, hein, petite finition comme ça. Ça me fait penser à du Stamperia, à celui-ci. Oh, très beau la porte là. Tout aussi beau que l'autre, hein. Oh, le chat. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz lequel vous avez préféré. Pour l'instant, ben, j'ai pas de préféré, j'adore les deux. Allez, on passe au dernier. Enfin. Ah, tiens, un petit sticker qui se promène. Tout aussi beau, hein. Oh, magnifique. Là, c'est plus sur les arts, hein, musique, tenues, etc. La danse.
très beau aussi. Ben, j'aime les trois, hein, donc je suis contente parce qu'ils sont tous très beaux. Le papier, il est de bonne qualité. Et les tailles sont vraiment sympas. Ça change un peu. Voilà, donc j'espère que ce haul AliExpress vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez préféré. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve pour un autre haul. Mais alors cette fois-ci, nouvelle boutique, pas connue. Et voilà, des pépites aussi. Au revoir!